focalise notre attention sur l'air qui entre par le nez et l'air qui sort par la bouche. En fait, on est l'expression de tout ce qui existe. Puis là, plus ton attention est à l'extérieur, sur ma voix, plus tu glisses tranquillement ton regard vers l'intérieur, vers un calme, que tu trouves facilement, naturellement, beaucoup plus facilement dans les artères de ton cœur que dans ceux d'un centre-ville. Puis le feu danse. Il danse à l'extérieur, il danse à l'intérieur. En partageant des petites brides de réponses ou des grandes vérités. Des choses qui viennent naturellement te nourrir à l'intérieur puis que tu te dis « Ouais, ça j'en ai besoin. Ça, ça me fait du bien. » Je vais compter de 3 jusqu'à 1. Puis à 1, à travers les flammes du feu, il y a un animal qui va apparaître. Ton animal. C'est lui qui va t'aider à passer l'hiver. Avec le geste, l'intention.
des gens avec qui on est. Je ne donne aucune importance à ce qui se passe. Moi aussi, j'hésitais à venir à cause que mon énergie est basse, c'est ainsi. Je suis dans une période difficile de ma vie. Je me suis dit, je vais m'installer un petit matelas là, dans le fond de la salle. Puis peut-être que je ne participerai pas à aucune activité. Mais je vais être avec le monde, puis je vais recevoir la vibration du monde. Puis je suis certaine que ça va m'aider. Fait que j'étais ouverte, tu sais, je me disais, je me sentirais pas coupable si je participais pas. Puis finalement, j'ai participé à toutes les activités. Puis je me suis pas forcée, là, c'est parce que ça me tentait, là. Fait que, puis là, aujourd'hui, là, je me sens vraiment, mon énergie est vraiment plus haute, là. C'est vraiment une grosse différence, là, bien sûr. Fait que, je pense que là, j'ai vraiment comme adopté la communauté. Des saisons. Là, je suis vraiment convaincue que c'est ma place. Ouais. J'ai trouvé ma place ici, avec vous autres. Merci. Je m'émerveille de voir la profondeur, la connaissance, la beauté qu'il y a en chacun. Ça vient vraiment me chercher, ça vient me nourrir. Je vous trouve vraiment fantastique. Puis j'ai l'impression ici que je peux vraiment être moi, que je peux vraiment déployer mes ailes puis être vraiment moi-même celle que je veux être tout le temps dans la société. Je suis de plus en plus touché au fil des cycles de saison. C'est mon troisième, j'ai fait deux fois l'été. C'est mon première fois l'hiver. Je suis en voyage. Je suis parti de là. Je suis en train de me rendre là. Tranquillement, pas rien. Beaucoup de gratitude. De la gratitude particulièrement pour cet espace-là de liberté. On est libre d'être, de faire, de bien, d'aimer. Je suis maman. J'entends plus. Maman. C'est bizarre. Je suis papa plus. C'est la première fois que je suis partie longtemps sans mes enfants. Ça me fait du bien. Merci. Je ne regrette pas. Merci de m'accueillir. Moi, je repars avec l'alignement, de l'ouverture et de l'espace pour être. C'était mon mouvement. Mon mouvement de vie. J'ai été chercher quelque chose ici. Qui est vraiment, en effet, là, qui est relié comme au feu à l'intérieur de toi, de s'accepter tel qu'on est avec notre ombre et notre lumière. Des fois, on dirait qu'on a de la misère à faire ça, puis c'est ici, on dirait que ce que j'ai aimé, c'est que, évidemment, ben, il n'y a pas d'alcool puis il n'y a pas de drogue, puis tu vois que le monde sont capables de se laisser aller sans cet artifice-là. D'accepter ton enfant intérieur tel que tu es avec tes blessures, puis c'est ça qui est beau. Hey, voilà Solimbawe, voilà Solimbawe, voilà Solimbawe.